Depuis plusieurs mois, l'équipe reprend chacun des documents de la médiathèque dans la perspective de la réouverture. Il y a en effet d'importants changements à la rentrée pour nos abonnés. D'abord, notre travail consiste à enlever et à changer les étiquettes des documents. Nous appliquons un liseré coloré qui indiquera dans quel espace et dans quel pôle thématique ranger le document. La nouvelle médiathèque s'organisera en effet en 5 pôles thématiques: enfance, art, musique et cinéma, littérature, temps libre et actualité et sciences et sociétés. Chaque document comportera aussi une puce RFID sous la forme d'une étiquette autocollante. Et la puce RFID permettra au document d'être reconnu par des automates de prêt installés dans la future médiathèque. Et sur ces machines, les abonnés emprunteront ou rendront leurs livres, leurs DVD, leurs CD en autonomie. À ce jour, nous avons traité 15 000 documents, grâce notamment au renfort de 3 vacataires, mais il nous en reste plus de 40 000. L'objectif étant bien sûr de terminer ce travail pendant l'été, en vue de la réouverture de la médiathèque rénovée en septembre 2018.